Ça y est, le grand jour approche. Vendredi, vous reprenez le championnat en national. C'est quoi un peu l'état d'esprit du groupe là au moment de reprendre? Déjà, bonjour à tous. L'état d'esprit du groupe, c'est que on a très envie de reprendre le championnat. On a fait une longue préparation avec beaucoup de matchs amicaux qui s'est terminé au Héno, et on a tous très envie de retrouver le Héno dès vendredi soir. 8 semaines de préparation, c'était pas un petit peu long? C'était long, surtout qu'il y a eu beaucoup de matchs amicaux, comme je l'ai dit. On jouait tous les 2-3 jours, il y a eu de la fatigue accumulée. Mais voilà, comme a dit le coach précédemment, on retrouve petit à petit de la fraîcheur et on sera prêt pour jouer vendredi. Ça a permis aussi d'apprendre à vous connaître, hein, parce que le groupe a un petit peu changé aussi. Ouais, bien sûr, il y a eu beaucoup de changements depuis l'année dernière. Il y a eu des nouveaux joueurs, des jeunes qui sont arrivés dans le groupe. Il y en a pour certains, il a fallu appréhender cette nouvelle saison. Maintenant, on est tous dans le même objectif. On voit un groupe qui évolue vraiment dans le bon sens, sur et en dehors du terrain. Donc c'est vraiment positif pour commencer cette nouvelle saison. Il y a des affinités qui commencent à se créer. Ouais, après, il y a toujours eu une affinité. Il n'y a jamais eu de tension dans le groupe. Mais on voit que petit à petit, même les joueurs un peu plus renfermés, on va dire, arrivent à s'ouvrir. On voit qu'il y a vraiment une osmose entre les joueurs, le staff et comme on a pu voir au Héno avec le public aussi, ça commence à s'ouvrir. Donc si on commence à enchaîner des bons résultats chez nous, on sent qu'on peut faire quelque chose de grand cette année. Premier match au Bagne, promu en national cette saison. Sur le papier, ça semble jouable, mais est-ce que c'est pas ça le piège? C'est un piège, je pense, comme tous les matchs de national qu'on va avoir à faire cette année. Faut qu'on joue tous les matchs, et on le sait, avec détermination et on va dire qu'il va falloir vraiment hausser le niveau sur chaque équipe. Voilà, il n'y aura pas de petite équipe, je pense, même si c'est des promus. C'est un championnat qui est long, qui est compliqué. Donc là, on joue un promu, on va voir un peu ce que ça vaut le national. Mais c'est à nous de jouer tous les matchs pour les gagner et pour remonter au plus vite. C'est quoi la clé d'un premier match quand on reprend une saison, d'un premier match officiel? C'est quoi la clé? La clé, je pense que c'est surtout prendre les 3 points. Voilà, peu importe la manière, je ne suis pas quelqu'un qui prône un beau jeu au détriment des points. Voilà, le plus important, c'est de prendre des points. Que le public trouve l'identité aussi par rapport à notre équipe. Je pense qu'avec l'aide du public, on pourra faire de grandes choses cette année et on en aura besoin. On sait que nous aussi, de notre côté, sur le terrain, on doit amener le public avec nous. Mais on sait que sans eux, on ne pourra pas y arriver. Donc voilà, sur le premier match, c'est vraiment essayer de trouver une osmose entre nous, les joueurs, le staff, l'équipe et ensuite les supporters et prendre les 3 points. Merci beaucoup, Rémi. Merci à vous.